Il vivait dans la savane, un hibou qui aimait beaucoup les animaux avec lesquels il vivait, si bien qu'à chaque fois qu'il les voyait, il ne manquait de leur dire bonjour avec un large sourire. Et il avait une bien drôle de manière de le faire. « Coucou !» disait-il à ses amis toutes les fois qu'il les croisait. Qu'est-ce qu'il était courtois, le hibou! Partout, à tout moment de la journée, à tout instant, la courtoisie du jeune hibou n'avait aucune limite. Un jour, la fourmi transportait une lourde charge sur une pente abrupte. Le hibou passait par là. Coucou! Sous l'effet de la surprise, la fourmi laissa tomber sa charge qui dégringola le long de la pente. Un autre jour, la hyène était cachée dans un buisson, prête à faire un mauvais coup. Le hibou passait par là. Coucou! Effrayée, la hyène sortit du buisson en sursaut, faisant échouer ainsi tous ses plans. Un autre soir, mère éléphant s'apprêtait à coucher ses petits. Ceux-ci étaient presque endormis à son grand soulagement. Elle qui s'était donné tant de mal à endormir ses adorables petits garnements. Le hibou passait par là. Coucou! Les éléphantaux se réveillèrent aussitôt et se mirent à barrir toute la nuit. Personne ne put dormir cette nuit-là. Cette trop grande courtoisie devenait bientôt agaçante au fur et à mesure que les jours passaient. Réunis en conseil, les animaux décidèrent de bannir le hibou de la communauté des animaux. Il était désormais condamné à rester chez lui durant toute la journée et ne sortir que le soir. La nuit, il pouvait faire autant de coucou qu'il veut, sans déranger personne, enfin presque. Coucou, coucou, coucou.